Ah, l'Arabie Saoudite. Quand on pense au plus grand pays du Moyen-Orient, c'est souvent pour ses animaux, ses paysages exceptionnels ou encore pour la causerie d'anthologie de son ancien sélectionneur. Tu te calmes. Adversaire, tous les fours. Un niveau d'anglais aussi approximatif que le niveau footballistique saoudien jusqu'au jour où les dirigeants d'un club encore inconnu ont décidé de frapper fort, très fort. Un transfert jugé fou à l'époque, mais qui a totalement enclenché un phénomène inédit sur le marché, puisque 6 mois plus tard, le championnat saoudien a littéralement raflé le mercato et peut maintenant aligner un 11 type totalement hallucinant. Il n'y a pas d'empire plus puissant dans le monde. Bien sûr, je connais pas non plus tout le monde dans le monde, mais à mon avis, non. C'est pourquoi, dans cette vidéo, mes amis et moi allons confronter sur FIFA 23 le meilleur 11 de Saudi Pro League au meilleur 11 mondial, enfin presque. Actuellement, l'équipe type de Saudi Pro League, c'est celle-ci. Et l'équipe type du reste du monde ressemble à ça. On est d'accord, c'est stylé des deux côtés, même un peu trop à mon goût. C'est pourquoi, avant de disputer le match sur FIFA, nous allons devoir tenter de conserver nos équipes à travers un exercice de frappe. Ça sent bon cette histoire. Le principe est simple, je fais équipe avec Ellie pour représenter la Saudi Pro League et Kylian fait équipe avec Alexis pour représenter le reste du monde. Ok. Si l'un des deux duos ne parvient pas à marquer au bout de 10 tentatives, l'un de ses joueurs sera remplacé par l'un des pires joueurs du jeu à son poste. On commence par le gardien et on reproduit ce schéma pour chaque poste et ensuite on s'affronte sur FIFA avec nos équipes respectives. Début de cette vidéo, Alexis commence à frapper pour sauver Thibaut Courtois. Écoute, ouais, on va essayer de le sauver dès la fois. Moi, bah, je suis pas avec toi, donc débrouille-toi. Ouais, bonne chance, Alex. Ah oui, ça, j'avais oublié de vous le préciser. Si Eli et moi représentons l'Arabie Saoudite, c'est parce que Kylian et Alexis nous ont battus au Crossbar Challenge. Ah, c'est bon, c'est bon. T'es prêt? Vas-y. Il est même pas oublié son but. Allez, ouais. Pour Mendy. Chaud qu'il passe une barre. Oh là là. Incroyable. Premier coup. Ah ben oui, monsieur. Là, c'est très simple. Nous, on a Mendy de sauver. Il leur reste tous leurs tirs pour essayer de sauver leur gardien. Donc là, je vais dans les buts. Là, t'arrêtes tout. T'arrêtes. J'ai pas besoin de tirer. Tous les jours, dans ta gueule. On ne dit pas des gros mots à la vidéo, d'accord? Là, comme les deux duos sont parvenus à marquer en moins de 10 tentatives, les deux gardiens sont sauvés, on refait la même chose pour le défenseur droit et ainsi de suite, jusqu'au 11e et dernier joueur. On le garde, Kimmich, même si c'est pas celui que je veux plus garder. Ouais, bien vu. Je vais pas te mentir, Kelly, Koulibaly est quand même bien fort, hein, je pense, dans le jeu. Ouais, Koulibaly, il est bon. Oui. Mais ce joueur, deux sur deux. Dès qu'il tire, il marque. Oh non, non, le vieux robot de merde. Chaque équipe préserve encore ses joueurs. Écoutez, on passe au défenseur central droit. Ça va très vite. J'espère que notre équipe va continuer à marquer grâce à Ellie. Et aussi à arrêter des ballons. Grâce à Ellie, ouais. Ouais, alors ça, c'est pas gagné car ni Ellie ni Kylian ne sont de vrais gardiens. Si vous suivez régulièrement ma chaîne YouTube, vous devez savoir que la performance, c'est pas vraiment ce qui caractérise le mieux mes vidéos. A l'inverse, côté divertissement, on n'est pas mauvais. On est copains, on est copains. Mais vous fumez, monsieur. S'il vous plaît, mon bon Dieu, soyez avec moi, les bonnes étoiles. Non. Mais vas-y, ta mère. Ruben. Hé, Kylian, il y avait 350 000 de ping. Mais tu crois que c'est facile? Le joueur est encore sauvé, pour le moment, on part sur un zéro faute. Voilà, la spéciale, moi quand je panique, je tire en bas à gauche. Donc c'est bon, j'ai sauvé mon défenseur, je suis content. Ellie, clairement ta mission là, c'est d'arrêter 9 tirs, c'est ça? Oh putain, oui. Viens Ellie, attention Ellie. Ouais. Mais pourquoi je tire dessus? J'en ai marre. Ils vont le perdre, leur défenseur central. Allez Ellie. C'est bon, c'est bon. Plus 3, allez. 2. Trop mauvais, je suis trop mauvais. Pour la première fois de cette vidéo, s'ils ne marquent pas, ils ont un joueur bronze. Kylian a la balle pour sauver son équipe. Oh, c'était un beau tir. Bien joué les gars. Let's go. Premier joueur bronze. Trop mauvais, je suis trop mauvais quand il y a un gardien. Ellie, écoute-moi bien. Depuis le début de cette vidéo, je n'ai jamais douté. Je te demande pardon. J'ai envie d'aller au but. Après, si tu veux que j'aille au goal, j'irai au goal. Hein. Qu'est-ce que le mensonge? Bien joué Ellie, on les a ken. Télès pour nous.
Hernandez pour eux, qui est un joueur très très fort dans FIFA et dans la vraie vie, ça serait bien qu'on l'empêche de l'avoir. Non ! Bien joué Kiki. Bien joué Ellie. Bien vu. Un peu la même que toi. C'est bon ? Allez mon Kiki. Vas-y. Avance un peu Ellie, avance. Il a chopé la lune. Je crois pas qu'elle est rentrée. Allez, largement devant les gars, allez là. Ok, ok. Allez mon gars, allez dedans. Non mais c'est terrible. Ah, je suis pas bon. Remplacez-moi s'il vous plaît. Bouide. Yes ! Toute la défense et le gardien est validé dans notre équipe. Oh oui, c'est bon ça. Avant 56 mètres. Comment ça tient ? Tu coaches, voilà. Tu coaches ton gardien ? Bah, c'est tout ce que je peux faire, donc oui. Voilà. C'est terrible. Dans l'équipe reste du monde, il y a du doute un petit peu. C'est bon pour nous ça. Ah mais ça veut pas plonger, je vais chercher tout à l'heure, j'en plonge pas une, c'est une merde. Oh, elle est belle, bravo! La défense c'est fait, vous voyez à l'écran nos deux équipes, et pour le moment c'est un sans faute pour Ellie et moi-même, tandis que pour Kylian et Alexis, il va falloir jouer avec un défenseur bronze à la place de Van Dijk. Trop nul! Et concernant nos milieux de terrain, eh bien il s'est quasiment passé la même chose. Ouais. Chaque duo a perdu l'un de ses joueurs, Rodri et Kanté seront remplacés, ce qui fait deux joueurs bronze pour l'équipe reste du monde et un pour l'équipe de Saudi Pro League. Ça me fout la rage! Place maintenant à l'attaque, et quand on voit les deux trios offensifs actuels, on se dit que c'est là que la différence peut se faire et qu'il va falloir absolument marquer. Let's go win! Ouais, celle-là. Ça y est, ça commence. Un tir. Non mais attends. Ellie, 9 tirs, cette fois on marque. Hein. Allez. C'est dans sa tête. Dommage, c'était pas mal. Je vais faire la spéciale qui marche tout le temps, bah gauche avant. Ouais, Kylian. Tu l'aimes bien, toi, en bas à gauche. Ah ça, dommage. Qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'y aille ? Quand tu n'as pas travaillé les automatismes comme ça, c'est beaucoup trop dur. Ce qui veut dire que Neymar et Messi sont sauvés très rapidement, on passe aux avant-centres respectifs que sont Karim Benzema chez nous et chez eux, et Erling Haaland, peut-être le meilleur joueur du monde en ce moment. Ça serait bien qu'on l'empêche de l'avoir. Allez. Oh, il a gratté la pelouse. Oh la vache, Alexis, la facture. Non, paye. Bonjour. Allez, allez. Ouais. Il est pas au milieu de ses buts. Oui. Il est pas au milieu de son but, et l'idée. Ouais, t'es décalé. Mais moi, je veux par rapport à la marque du milieu. Ah, mais oui, c'est qu'elle est pas au milieu, la marque. Okay. C'est pas une pigeon, là, hein. Y a pas de volatile ici. Alors, non, mais dis. Ah ! Deux pour Ellie, une pour moi. Allez, Ellie, nous le faut, Benzema. Dernière. Oh, je suis mauvais! Oui, Kiki! Oui! On aura enlevé Calmou! Oh, fais suer! Les amis, on vient de perdre Benzema, ce qui fait deux joueurs bronze dans chaque équipe. Avant même le début du match sur FIFA, ça peut déjà être décisif. C'est le match. Là, c'est le match! C'est bon, t'es bon, Ellie, t'es au milieu du but, là. Allez, dedans! Pff, heureusement qu'elle passe à gauche parce qu'il anticipe beaucoup, mon gardien. Allez, Ellie, pour CR7. Ah là, on sent qu'il y a de la tension là. Oh oui, oh oui. Le frôle là-bas en transversal, let's go. C'est bon, c'est pour toi Kiki. Le mec il change de chaussures là, putain j'aime pas trop ça. Hein ? Ouais ! T'as mis la même que Alex. Bah ! Let's go ! On a cri-cri. On connaît maintenant les équipes. Deux joueurs bronze dans chaque effectif. Ça va être très homogène, on va voir ce que ça donne sur FIFA. Nous on va à la douche et on se retrouve tout de suite pour vous. Les amis, on se retrouve sur FIFA. Vous voyez à droite de l'écran l'équipe d'Eli et moi-même, à Al Nasser, à gauche l'équipe des gars au Real Madrid. Tout simplement, on a deux joueurs dans chaque équipe de remplacer. Est-ce que ça va être décisif? Et puis les gars, bon match! Oui, let's go! Et on gagne surtout, oui. Et on gagne surtout. Les compos, Courtois dans les buts. Hernandez, King, voir le jeu. L'attaque va faire mal, les gars. Regardez ça quand même, c'est impressionnant l'équipe qu'on peut faire en un an. Il y a un an, personne ne connaissait ce championnat. Regardez, on peut faire une équipe phénoménale. Quoi. Avec Mulan, Al-Mouhalad. Le futur Ballon d'Or, ce sera lui. Il y a une équipe qui joue pour l'argent et une équipe qui joue pour le foot. Pour le prestige. Et l'argent. C'est parti pour qu'on envoie les amis. Real avec la balle. Allez, c'est parti. Fais gaffe à Kiné. Oh là là, merci pour passe de Kiné. Tu l'as vu.
Ah, Kinect. Kinect, c'est un accessoire de console. C'est celui qui t'explique comment soigner tes blessures, quoi. Logique. Alors là, j'ai Log. Hop là, esquive du lézard. Joueur technique. Oh oui. Oh, j'ai entendu la barre. Oh, c'est Kiné. Mbappé, que Kylian voulait absolument. Oh, il va très vite, Mbappé. Vas-y, mon petit. Ouais, accélère, c'est bon. D'accord. Tu vas tout seul et tu termines. Et tu termines. Mais Mendy, il a pas envie d'arrêter le ballon. C'était géant. 1-0 pour Real Madrid. Ah ouais, joli. On est meilleur que Mendy, finalement. On aurait notre place en Arabie Saoudite. Non. Allez, peut-être une offensive à venir, là, pour Al-Nasser. Je vais dessus avec Mbappé. Tranquille. Oh, Moulawad. Oh non, non, pas, c'était pas mal. C'est un général. Ah non, monsieur. C'est quoi cette défense? Il y a un trou. Mais les gars, vous avez un jambon. Vous allez, c'est Kiné. Courtois, les gars, je vous mettrai un replay. Il a défoncé l'attaquant. Un partout. C'est terrible. Hop, oh, deux au-dessus. Tranquille, va pas avec ton défenseur. Va pas avec ton défenseur. Regarde pour son frère. Hop là. Oh, je me suis jeté. Oh, c'est une parade. C'est non. Voilà. Là, on a une offensive pas mal. Il y a du champ. Ouais, ah, il est là en milieu, parce que c'est Moutari. C'est Moutarde. D'accord. Centre. Ouais. Vas-y, Kimmich. Peut-être Neymar. Encore. Oh, le Thibaut Courtois qui se vend comme l'équipe des Blancs. On parle du coup de poing que je viens de me prendre, là. Allez, c'est parti. On est sur un spécifique corner dans ce match. Avance ton joueur. Oh oui. Oui. Voilà, monsieur. Et ça vend Ancelotti, ils l'ont fait un peu mincir. Hein, ouais, ouais. Je suis Bernard Caletti, le fondateur de Comme J'aime. On approche de la mi-temps, les gars. Attention, Elise, parce que là, il passe à gauche. On connaît le plan du jeu. Allez, on s'y va. Ok, c'est Mané. Oh. Ah, je sais pas, t'étais hors jeu. Ouais, il est hors jeu. Ouais. Quoi? Il avait hors jeu. Il avait hors jeu, je pense, du coup, il a. Oui, il s'en. C'est quoi sa chance de but? Enfin, c'est la chance que t'as dégueulé, en fait. Par exemple, ils ont eu 0,3. C'est nul! Arrêtez de roupiller! Remuez-vous! Allez, deuxième période. Et oui, moi je trouve qu'on ne sent pas beaucoup nos points faibles. Nope. Oh, mais il voulait pas l'attraper? Vas-y, tente. C'était pas mal ça. Alors, par contre, dégrouille-toi. On a un jeu. Oh, par-dessus! Il est hors jeu! Encore! En fait, non! Encore tout de suite. Oh, c'est bien joué. Avance. Oh, bien vu! Oh, magnifique! Mais alors, par contre, ça là. Non, c'est pas mais... bien. Vas-y! Non, mais. Voilà. Totalement. À l'ouest. Oh, je t'ai cher. Non, mais c'est pas le même. Ça va. Oh. Non, y'a rien du tout là. Mais il faut y aller à Intox un petit peu. Non! Oh, le joueur de 46 de général. Oh, c'est lui qui dirait là? Ouais, cours. Et 42 de général. Comme le dimanche, sans. Oh là là, bien vu. Vas-y, avance. Oh, encore. Je me suis fait bouger par la faute là. Hein? Oh bah là, il y a faute. Non, arrête. Ah si. T'as fait pire juste avant. Allez, au centre. Ok. Ah non. Oui. Il y a au moins un but dans chaque équipe. Un qui était très beau, mais pas réalisable. Et un qui est très moche, mais qui est rentré. Oui, les amis. Allez, 3-2, match très prolifique. Terrible. Ah, tu vois que moi, je suis hyper mauvais joueur là, parce que je suis en train de m'énerver. C'est le visage de la haine. Hop là. Hop. Eh, voilà, attends. C'est un grip. T'inquiète pas, c'est pas grave. Moi non plus, je ne fais pas. On approche de la fin du match. Est-ce qu'ils vont égaliser? Nul. Oh là là, ils ont croqué l'occasion. Ils ont croqué l'occasion de revenir dans le match, les amis. Ça sent bon la victoire pour Al-Nasser. Mes amis, c'est fini. Bon, dans cette vidéo, c'est la Saudi Pro League qui l'emporte. Je suis un petit peu déçu de voir tous mes idoles partir dans ce championnat isolé que je ne regarde pas du tout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Un grand merci à Kylian, Alexis, Eli et Evan qui m'ont aidé. Parce qu'il y avait beaucoup de logistique pour ce projet. J'espère que ça vous a plu. Bisous, bye, tous.